Je vais commencer par vous montrer la carte que l'on va faire aujourd'hui. Donc, c'est une carte à double tirette. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ce type de carte. En fait, c'est très simple à réaliser. C'est une petite carte et qui fait son effet puisque lorsque l'on tire les petits onglets, vient apparaître deux images. Donc, deux messages ou deux photos ou ce que vous voulez en fait. Ici, j'ai laissé un espace pour pouvoir écrire le message de la carte. Et puis ici, on voit un petit lutin dans son sac du Père Noël avec quelques paquets qui débordent. Et voilà, donc c'est une carte assez simple à réaliser. Alors j'avais pour habitude de la faire carrée. Cette fois-ci, je l'ai adaptée en fonction de mes petites cartes de Project Life. Donc, aujourd'hui, on va la réaliser avec ces petites cartes-ci, donc des petites cartes qui mesurent 7,6 par 10,2. Donc j'ai adapté cette carte. Après, vous pouvez adapter si vos cartes de Project Life sont plus grandes. Eh bien, vous l'adaptez en fonction puisque le principe est toujours le même. On peut partir du principe qu'on peut commencer. Voilà, deux. Donc, on va commencer. Donc, moi, en fait, là, je l'ai réalisé en vert, en blanc et en rouge, les trois couleurs de mes cartes Project Life. Donc, là, en fait, je suis repartie sur un turquoise, enfin, oui, un turquoise, on peut appeler ça comme ça, puisque mes cartes Project Life, donc, que je viens de recevoir, que j'attendais avec impatience. Je ne sais pas si vous les avez remarqués. Alors, sur nos catalogues Stampin' Up, en fait, on a à chaque sortie de catalogue des petites cartes qui s'appellent Souvenirs et compagnie. Donc, cette boîte-ci s'appelle. Coucou Sandrine. Cette boîte-ci s'appelle l'Atelier du Père Noël. Et donc, à l'intérieur, vous avez des cartes d'un format 10-15. Enfin, 10,2 par 15,2. Vous avez donc des cartes qui sont recto verso, mais vous avez également des stickers comme ceci. Et puis également des stickers avec des paillettes. Alors, je ne sais pas si la mise au point va se faire. Replay pour Mélanie, d'accord, très bien. Donc, des cartes. Là, on a encore des stickers. Alors, je pense que du coup, je vais garder toutes ces. Je ne pensais pas qu'il y avait autant d'autocollants. Je pense que. Bonjour, Lo. Je vais garder tout ceci pour réaliser mon Daily December avec Gaëlle, Laure et toutes les copines de la Gazette. Parce que bah, tous ces petits autocollants vont être très très utiles, je pense, pour parcours, enfin pour construire mon Daily December. Et donc, on a également des cartes. Alors, donc, avec. Des messages pailletés. Alors celles-ci, elles sont recto. Et si on est à l'improviste, enfin prêt à faire une petite carte et qu'on n'a pas trop préparé, eh bien il suffit juste de prendre un fond, de décorer et je pense que ça peut être utile à tout va. Donc j'ai décidé. Alors il y a les petites et puis il y a les grandes. Hein. Donc là on a les petites. Donc j'ai décidé aujourd'hui de faire ma carte avec deux petites. Alors une sur laquelle il est noté The Joy of Giving, la joie de donner, partager, voilà, donc ça représente bien l'esprit Noël. Et donc, je vais changer les couleurs. Là, j'étais partie sur un vert, là, je vais partir sur un turquoise. Une bande de 27 par 10,5. Je vais la préparer avec vous. Donc, 10,5 par 27. Et cette bande, on va lui faire faire des plis de manière à avoir trois espaces. Le premier pli, on va le marquer à le premier pli, donc à 1 cm du bord de toute la longueur. Donc moi, je commence toujours par marquer de ce côté-ci, mais après, voilà. Donc si vous avez, voilà. Donc le premier pli à 1 cm. Le deuxième pli, il sera à 9,5 cm. Le pli suivant sera à 9,7. En fait, on va laisser 2 mm hein, qui va représenter ce tout petit espace hein, ici pour donner un peu d'aisance à notre mécanisme, en fait. Donc, 9,7. Ensuite,
On ira faire un autre pli à 18,2. Puis à 18,4. Et il nous restera normalement, si on a bien plié, 8 cm et demi. Donc là, la première partie fait 8,5. La petite partie entre les deux fait 2 mm. J'ai 8,5 ensuite, j'ai 2 mm, j'ai de nouveau 8,5 et j'ai 1 cm. Donc on va pouvoir marquer nos plis. Alors ceux d'ici, en fait, ce sont juste des tout petits plis d'aisance. Hein. Donc en fait, quand on plie, ils viennent se former tout seuls. C'est juste pour avoir les épaisseurs du papier de manière à ce que le mécanisme glisse bien. Donc voilà. Donc ensuite, nous fermerons notre carte comme ceci. Et c'est ce qui va nous former la base. Alors, on va maintenant travailler sur la partie qui n'a pas le petit onglet des 1 cm. On va travailler sur la dernière partie. En fait, c'est la partie qui va être cachée et qui va nous permettre de faire fonctionner notre mécanisme. C'est la partie sur laquelle va venir se poser le mécanisme. Et donc, ce mécanisme, il est réalisé grâce à une bande de sac plastique. Donc, je vous avais demandé de préparer une petite bande de sac plastique. Donc, moi, j'ai coupé une bande de 4 cm puisque je vais faire une ouverture de 4 cm, comme ça. Donc, pour faire l'ouverture, j'utilise une perforatrice, mais vous pouvez très bien marquer 4 cm et puis couper avec vos ciseaux pour faire cette ouverture. Moi, j'utilise une perforatrice, donc je la centre par rapport à mon morceau qui fait 8,5. Donc, je vais perforer, mais seulement en fait pour dégager un petit peu un espace. Sur lequel va venir se glisser cette bande de plastique. Donc je vais faire la même chose de chaque côté. Et ainsi, je vais pouvoir venir poser mon mécanisme entre ces deux petits espaces. Donc comme je disais, on va prendre notre plastique. On va venir déposer à l'une des extrémités un petit peu de double face. Je vais passer donc autour. Donc, on va venir enlever la protection de notre adhésif. Et puis ensuite, vous allez venir rassembler les deux morceaux l'un sur l'autre. Alors, sans trop serrer, puisqu'il faut que le mécanisme puisse naviguer facilement. Donc, vous faites attention de ne pas laisser en fait de colle sortir ici, puisque, enfin, de votre double face, puisque sinon ça risquerait de bloquer votre mouvement. Donc, une fois que vos deux morceaux sont rassemblés, eh bien, vous coupez l'excédent hein, au ras du double face. Voilà. Et donc, vous avez une bande de plastique qui doit tourner en fait de gauche à droite et de droite à gauche entre vos deux petits interstices de 4 cm. Alors, je vais donc continuer. Donc, une fois que ceci est prêt, on va s'occuper de préparer les deux parties de chaque côté. Donc là, je vous avais demandé de préparer deux morceaux de 8,5 par 10,5. Donc moi j'ai donc pris deux quarts de Project Life qui mesurent 7,6 par 10,2. Et donc si vous n'avez pas de carte Project Life, et bien vous prenez par exemple du cardstock blanc, vous mettez du tamponnage dessus, ou alors vous prenez un papier imprimé, n'importe lequel qui vous plaît. Alors bon, moi j'ai en fait sur celle-ci j'ai décidé d'utiliser une carte qui avait des petites lignes de manière à pouvoir mettre le message en façade. Et puis bah, sur celui-ci, je suis repartie pareil en fait. Hein, avec, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des petites lignes sur,
Je récupère ma bande parce que je suis partie sur un cardstock format A4. Et du coup, j'ai pris ma première bande de 27 par 10,5. Il me reste une autre bande de 27 par 10,5. Donc sur celle-ci, je vais donc découper à 8,1 mes deux petits panneaux qui vont venir de chaque côté. Ici, ce qui correspond à ces deux panneaux de chaque côté. Voilà, donc les deux petits panneaux unis sur lesquels viendront se coller nos deux petits panneaux décorés. Voilà, donc si vous avez vos quatre morceaux là, les deux unis, les deux imprimés, on va s'occuper maintenant de faire les petits onglets pour pouvoir tirer les panneaux. Alors, peut-être que vous avez comme moi une perforatrice à onglets. Si vous n'en avez pas, vous coupez deux petits rectangles que vous pliez par le milieu et que vous allez venir coller de chaque côté, hein. Bon, moi, j'ai une perforatrice onglet qui va me permettre de faire mes deux petits onglets facilement. Que les deux petits onglets découpés, on va venir les fixer. Alors j'en ai mis un en haut et un en bas, juste pour faire un petit équilibre et que ce soit pas trop linéaire visuellement. Donc on va venir les fixer de chaque côté de nos cartes unies, puisque ensuite, comme cela, quand la carte imprimée viendra se poser dessus, la fixation sera dissimulée. Moi, je fixe l'onglet environ à 2 cm du haut. Et évidemment, de l'autre côté, ça fera pareil, environ à 2 cm du bas. Donc, le premier onglet. Le deuxième. Je vais maintenant coller. Alors donc sur alors moi j'ai décidé de mettre le plus haut sur la gauche et le plus bas sur la droite. Donc je vais mettre mon petit panneau indicatif sur la gauche. Alors, maintenant, c'est là où ça va être le plus compliqué de l'histoire, je pense, parce que c'est toujours un peu. On va positionner nos petites cartes. Alors, une d'un côté du plastique et l'autre de l'autre côté du plastique. Alors, dans le principe, la partie qui a l'onglet sera l'arrière de la carte. Voilà. Donc, cette partie-ci, ce sera l'arrière. Celle-ci, donc celle qui va être devant. Je disais, la partie arrière de la carte, c'est celle qui a l'onglet pour assembler. La partie de devant, donc c'est celle qui est au milieu. Et la partie du bout sur laquelle on a placé notre film plastique, c'est ce qui va faire notre mécanisme qui va être à l'intérieur. Donc si on regarde le devant de notre carte, il faut qu'il y ait un panneau qui soit à gauche, donc on va venir le poser comme ça. On va rabattre l'arrière, enfin la partie du mécanisme, et on va poser notre panneau qui va venir vers la droite dessus. Et là, en fait, on va pouvoir coller comme ceci. Donc en regardant, on va pouvoir coller sur le plastique ici ce panneau-ci, et à l'intérieur, je l'ouvre pas tout de suite, mais je vous l'ouvrirai après, l'autre panneau. Est-ce que c'est OK pour tout le monde avant que je colle? On va coller ce panneau-ci comme il est présenté là. Donc, on va le coller en lui mettant. Alors, on le prend, on le pose sur le côté. Donc, on va le coller en mettant sur la partie gauche du plastique et seulement sur la partie gauche du plastique du double face.
Et on va venir reprendre notre carte et la centrer par rapport à ce panneau, en fait. Donc, on la centre bien de manière à ce qu'elle soit au bord à droite, qu'elle soit centrée par rapport au 8,5. Et on va, en fait, juste la coller. Comme ça. Donc, cette partie-ci, maintenant, est collée juste sur le bord, là. Une fois que l'on a fixé ce premier panneau, on va aller fixer l'autre qui est à l'intérieur. Donc, on va ouvrir. OK, c'est parfait. Donc, on va ouvrir maintenant nos morceaux. Donc, le morceau plastifié de l'autre côté va se retrouver ici. Et maintenant, on va mettre du double face sur la partie droite pour coller notre petite carte. Donc, on la laisse dans le sens où elle était. On la décale ou on la laisse là. Et en fait, on va venir mettre du double face ici pour la coller. Là, on va venir coller notre. Alors, on ne l'a pas bougée, elle était ici. Donc, en fait, il faut qu'elle soit collée comme ceci. Hein. Hop. Donc là, on la colle. Dessin à l'envers. Face vers soi. Donc, pareil, on la centre. Et on la colle. Et là, quand on referme. On va déjà voir que quand on tire de chaque côté, notre mécanisme est déjà prêt. Donc maintenant, il va juste nous suffire de fixer le petit onglet d'assemblage. Donc je vais faire un petit peu, je vais biaiser l'onglet d'assemblage sur les 1 cm. Donc on peut refermer notre carte. Et en fait, ce petit onglet d'assemblage, il va venir entrer. Alors, on pourrait refermer sur l'extérieur, mais ce ne serait pas joli. Il faut surtout pas le coller sur votre carte là. Il faut le coller entre la carte qui bouge et le devant de la carte. On va mettre un petit peu de colle sur l'onglet. On va le faire passer par-dessus la carte de l'arrière. Et on va venir coller l'onglet sur la carte. Sur le devant. Moi, j'ai utilisé donc pour le dessus parce que quand on utilise un papier blanc, c'est vrai que parfois, soit je le colorise un petit peu, soit j'aime bien l'embosser. Donc là, pour le morceau de papier blanc, il faut qu'il fasse 8,2 par 10. Je vais embosser mon petit morceau blanc. Une fois le panneau embossé, eh bien, je vais venir le coller sur le devant de ma carte. Ce set de tampons qui s'appelle onglet pour tous puisqu'il va avec ma perforatrice. Et en fait, ça nous permet alors soit de mettre des petits messages hein, ou là j'ai utilisé juste les petites étoiles en fait. Donc je vais réutiliser les petites étoiles. Donc mes petites étoiles.
Donc voilà, mes deux petits onglets sont habillés. Ben, je vais refaire mes découpes de mots, hein, puisque je les aime bien, ces petits mots. Joyeux Noël. Donc là, j'ai mon mot joyeux, j'ai mon mot Noël. Je vais également les découper en blanc. Et voilà. Donc nos deux petites cartes sont faites. Alors elles sont identiques avec un petit peu de différence de couleur. Je les ai reproduites de la même manière. Donc dites-moi laquelle vous préférez. Et alors, elle pour plein d'occasions. On peut même la décliner en système d'invitation ou de faire part de naissance avec bébé est arrivé par exemple, et puis d'un côté la photo du bébé, et puis de l'autre, eh bien toutes ces mensurations, le jour, l'heure de naissance, etc. Enfin, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live, et puis montrez-moi vos projets surtout. Au revoir!